bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes dans la voiture taxi de Richard. Bonjour Richard. Bonjour à tous. Alors, bon, mais on y est tous rentrés, sauf Dédé, il n'a pas pu y rentrer. Il court à côté. Vous êtes alors, trop gros. Alors, parle-nous un petit peu de ton taxi, de ton vélo-taxi. C'est plus un vélo. On se tait derrière, voilà, monsieur Roata. On est calme dans la classe. Donc, c'est plus un vélo, c'est une vraie voiture, une petite voiturette, hein, une golfette, oui, voilà, voilà. Mon profil, soigne mon profil. Et voilà, électrique, bien sûr. Donc, je ne fais. Ils sont cons. Et c'est le baptême du feu, hein. Ah oui, ils sont en train de me. Alors, vas-y. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Mais alors, dis donc, tu as promené toute. On sautait un peu derrière. Tu as promené un petit peu toutes les stars pendant quelques jours. Je suis très demandé. Non, c'est toujours un plaisir d'ailleurs parce que je travaille avec le Jardin Secret, donc qui est un hôtel quand même le seul hôtel 5 étoiles de Nîmes pour l'instant. Très très beau, et donc ils font appel à moi pour des petits trajets. Alors comment fait-on pour te contacter? Eh ben, avec mon téléphone, je vais te laisser ma carte. Oui, mais laisse-nous ton numéro, comme. Là, c'est filmé, là. Ah oui, c'est filmé. Voilà. C'est un 07, maintenant, parce qu'il n'y a plus de place dans les 06. Ouais. Donc, 07 87 750 006. Donc, tu te déplaces exclusivement en centre-ville? Oui, centre-ville. Ou grand centre-ville, éventuellement, mais c'est surtout des petits. Enfin, c'est pas d'ailleurs que du déplacement, hein, c'est plutôt du service à la personne, moi, j'appelle ça. Parce que bon, j'accompagne les gens, je peux même les faire leur porter leur sac, etc. Enfin. Et quel est le coût d'un transport? Entre 4 et 8 euros. Et Jean Bousquet, tu l'as amené où? Ah, je l'ai emmené à la gare. Ben voilà le type de course que les taxis ne vont pas faire ou même vont pas être intéressés, c'est d'aller du centre-ville de l'hôtel de l'amphithéâtre, si vous voyez où c'est, pour aller à la gare. Et Nikos, il y a 500 mètres à faire. Hein. Et Nikos, tu l'as transporté où? Pareil, du jardin secret aux arènes ou alors au neuf, au restaurant le neuf, etc. Très bien. Rappelle-nous le numéro de téléphone où l'on peut te joindre. 07 87 750 006. Merci Richard, puis à très bientôt. La boutique Angulus Ridet, qui a eu des ennuis avec l'inondation, là, les fortes pluies qu'il y a eu, là, et qui a été obligée de fermer parce que son magasin était un peu inondé. Bon, voilà, faudra peut-être lui dire un petit bonjour. Elle se situe où, cette boutique? Rue de la Violette, c'est une boutique de décoration, et avec des objets assez précieux, assez coûteux. Et il a été vraiment inondé, toute l'eau est rentrée dans son jardin. Secret. Voilà. Merci de nous rejoindre sur cette même page Facebook ainsi que sur notre page YouTube dans l'émission On en parle de Nîmes. Nous sommes ce matin au restaurant L'Estanco, 7 rue des Marchands, dans ce magnifique passage du vieux Nîmes. Vous connaissez notre souhait, c'est-à-dire de développer un maximum les commerçants nîmois. Alors on en parle toujours de Nîmes, bien sûr. Nous aborderons les sujets suivants. Les commerçants du centre-ville, la chanson de l'année dans les arènes de Nîmes, le musée de la Romanité, mais là, Philippe est allé déguster le menu du chef, les jeudis de Nîmes, si nous avons le temps, les écologistes qui essaient de se reformer un petit peu, et puis la fête des républicains. Ils sont présents pour décrypter l'actualité, donc je vous rappelle nos intervenants. Philippe Roata. Bonjour Monsieur Roata. Bonjour Patrick. Alors il nous a promis que pour l'émission prochaine, il couperait sa moustache. Non. Si? Je ne crois pas. Si, si. Non, mais c'est pas, si la France est championne du monde. Ah, peut-être. Je risque rien. Oui. Dédé, André Bonora. Moi, je vous promets que je me laisserai pousser les cheveux. Il va se laisser pousser les cheveux et il perdra un petit peu son accent qui nous arrive de l'autre côté de la Méditerranée. Ah bon? Non. Ah bon, t'as pas l'accent toi? Pierre Carpentier, le seul actif des intervenants de l'émission. Il en faut que je vous paye des retraités. Eh bien sûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tu en es où de ton journal? Alors, je pense que la prochaine émission, je vous présenterai. D'accord. Rappelle-nous le nom. Idéal, le journal des étaliers, le journal des Halles de Nîmes. Très bien, information. Merci également à Benjamin d'être toujours parmi nous, hein, toujours aussi actif et toujours aussi professionnel. Et nous avons un jeune commerçant, un artiste également, il s'appelle Charlie.
Charlie Bascou, la tabletterie. Bonjour Charlie. Bonjour Patrick. Alors nous nous étions rencontrés à la deuxième ou troisième émission, me semble-t-il, oui, avec Henri Bray. Hein, oui, je me souviens. C'était les débuts avec le téléphone portable. Il y avait la même équipe, sauf toi. Je n'étais pas là, non. Non. Oui, ouais, mais c'est vrai qu'il y a des... Il est allergique au chocolat, c'est pour ça. Ça se voit. Bien. Donc, vous avez vu que nous avions reçu Richard avec son vélo électrique hein, qui transporte pas mal de personnes d'Nîmes. Bon, alors, les commerçants du centre-ville, après une rencontre sans résultat concrète avec deux élus, Sophie Roule, adjointe à la redynamisation du centre-ville, et Madame Claude de Girardi, adjointe à la circulation, au stationnement. Alors, quelles sont les revendications? Bien, les commerçants souhaitent tout simplement une gratuité dans certaines heures de parking, mais également des transports. Alors, quelle est ta position, Charlie, toi, concernant... Parce qu'il y a un malaise, quand même. On se rend compte que le samedi, le week-end, les gens fréquentent de moins en moins le centre-ville. Mais, en fait, c'est marrant parce que ça me rappelle la première émission que j'avais faite avec vous. Et finalement, je vais développer un peu le même argumentaire. Je me souviens que la dernière fois, j'avais dit que si on veut que le centre-ville bouge, c'est aux commerçants de se bouger. Donc, je répète la même chose. Si on veut que le centre-ville vive et que les gens viennent en centre-ville, déjà, il faut qu'il y ait des artisans qui s'installent en centre-ville. Parce que les gens vont venir en centre-ville s'ils ont quelque chose d'inédit à découvrir dans le centre-ville. Si c'est pour installer des franchises comme on en voit dans les zones commerciales à l'extérieur de la ville, je ne vois pas pourquoi les gens se déplaceraient en centre-ville au lieu d'aller dans un endroit où ils vont se garer facilement, où ils vont pouvoir accéder à ces magasins. Donc déjà, il faut développer l'artisanat en centre-ville. Et puis, je pense qu'effectivement, il faut peut-être avoir une démarche, c'est-à-dire partir des Halles, qui est un peu le cœur du centre-ville, et autour des Halles, commencer à développer pour essayer de développer le centre-ville. Alors après, effectivement, il y a tout un débat sur les places de parking. Il y a des commerçants qui ont eu des revendications à la mairie concernant une gratuité des places pendant une heure, puis je crois une après-midi par semaine à Nîmes. Effectivement, c'est bien pour mettre la pression sur la mairie, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi des capacités qui sont limitées. C'est-à-dire que les parkings visuellement sont déjà quand même relativement remplis. Oui, mais il y a le trambus également. Donc le trambus, s'il est réduit, ça peut apporter également un peu plus de monde. C'est vrai. Après, je pense que c'est des habitudes. Est-ce que les gens ont l'habitude de prendre le trambus? Moi, je savais qu'il y avait un arrêt qui était place Crémieux de bus. Il n'y est plus. Donc, effectivement, finalement, les bus desservent, les trambus desservent en fait les artères autour du centre-ville. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Il y a eu une demande, je crois, qui était faite dans les différentes demandes des commerçants, c'est justement que le bus reprenne l'artère, justement, qui passe, qui s'arrêtait en Crémieux. Ouais. Oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'avoir fait la ligne sud-centre-ville, c'était pas prioritaire par rapport à une ligne est-ouest qui était plus prioritaire, je pense. Alors peut-être qu'il y a plus de travaux à faire, mais qui aurait apporté plus de monde parce que on se déplace beaucoup plus d'est en ouest. Parce que dans le sud, il y a quoi? Il y a Cap-Costière, le Caissargue, c'est tout. Oui, c'est tout, c'est quand même. Oui, non, mais ça représente un potentiel important. D'accord, mais est-ouest, je pense que ça aurait amené beaucoup plus de monde en centre-ville et c'était pour moi prioritaire. Non, puis clairement, quel est le flux? Moi, j'ai toujours posé la question, à savoir quel est le flux des gens qui prennent le tram. Est-ce que c'est justement des gens qui viennent du sud vers le centre-ville ou est-ce que ce sont des gens qui sont du centre-ville pour aller au sud, notamment dans les différents centres commerciaux? Et ça, on n'a jamais pu nous démontrer. Moi, je suis persuadé que, contrairement à ce qui était prévu, les gens quittent Nîmes pour aller dans des centres commerciaux Cap-Costière & Co. Et au détriment des commerces de centre-ville. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça a laissé quelque chose, ça fait des dégâts au niveau des commerces des centres-villes. D'ailleurs, on le voit très bien à l'heure de fermeture de Carré Sud, entre 18h et 20h, les stations bus sur Carré Sud sont pleines. C'est-à-dire que les gens attendent pour remonter vers le centre-ville, et pas l'inverse. Qu'est-ce qu'il en pense, Philippe? Moi, je pense qu'on a tendance à se répéter. Oui, mais on est obligé de se répéter. Oui, mais on répète toujours un peu pareil. Moi, je pense que c'est un problème global.
Je suis d'accord avec toi qu'il faut naturellement des efforts des commerçants et avoir du commerce de qualité, de l'artisanat de qualité, parce qu'on vient là, on va là, si on veut acheter un couteau, on va dans la rue, on va derrière, on ne va pas à Cap Costière. Bon, après, il y a tous les problèmes de stationnement, mais c'est pareil, ça nécessiterait ça. C'est toujours les mêmes problèmes qu'on vient à Nîmes, mais je répète toujours la même chose. Il faudrait une espèce de table ronde organisée par la municipalité avec tous ceux qui sont concernés par ça. Et puis voilà, on fait une table ronde, on sait les problèmes, et puis on a un plan d'action possible. Elle ne peut pas tout faire, la municipalité non plus. J'ai tendance des fois à être contre elle, mais bon, les places de stationnement, ils sont ce qu'ils sont. Les trams, ils sont ce qu'ils sont. Et les commerçants, ils sont ce qu'ils sont. Et quand il y en a qui s'en vont, puisqu'on constate là qu'il y a beaucoup de commerces de fermés, notamment près du général Perrier, c'est pas de la faute à la municipalité. Les problèmes de loyer, par exemple, en centre-ville, moi, je sais pas de combien ils sont. Il y a tout ça à mettre sur la table pour avoir un plan d'action un peu global. Mais ça se fera pas, parce qu'à Nîmes, on sait pas le faire. Ça. En tout cas, Alain Fabre-Pujol et Catherine Bernier-Brossard demandent que ce soit inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal le 7 juillet une délibération concernant les questions de stationnement. Puisqu'ils n'ont pas la parole. Ça peut pas être fait, ça, en l'absence du... Bon, je les connais bien, je suis pas en désaccord avec eux, mais ça sera un vœu pieux. Non, mais Philippe a raison. Il faut qu'il y ait une concertation. D'ailleurs, il y a une ville qui est pas très loin de chez nous qui s'appelle Alès. Alès a fait une concertation pour le centre-ville. Ça fait plus d'un an et demi que cette concertation dure. Il y a des phases, il y a des étapes. Et on voit que le centre-ville d'Alès, aujourd'hui, est en train de reprendre un dynamisme parce que tout a été pris en compte. Il y a eu toute une série de réunions, de concertations, où les élus de la ville d'Alès n'ont pas eu peur de répondre aux questions et de prendre en considération les problématiques au niveau d'Alès et d'y apporter des solutions. Et aujourd'hui, Alès, le cœur de ville d'Alès, qui était un centre-ville commercial qui avait des gros problèmes, est en train de reprendre un peu de dynamisme par toutes les problématiques qui ont été mises en place par rapport à cette concertation. Dédé. Ben moi, je vais répéter encore les mêmes choses, mais ce qui me désole toujours, c'est de voir ce boulevard Victor Hugo. Ah oui, tu nous en as parlé. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Général Perrier. Général Perrier, c'est vide. Alors c'est vrai que ça fait une belle avenue, mais il n'y a personne qui s'y promène. Il n'y a pas de stationnement. Il n'y a pas autant de bus dans les voies de bus. Parce que si vraiment c'était une question de circulation des bus, j'aurais dit, bon, effectivement, ça gêne, mais... Le bus passe toutes les 7 minutes, quand même. Hein. Ouais, enfin, bon, je trouve ça assez vide, parce que je pense que les gens, maintenant, évitent le Victor Hugo. Parce qu'il y a aussi le fait de qu'on ne peut plus tourner par rapport à l'esplanade, ça peut la couler verte, on ne peut plus refaire le tour. Donc les gens, souvent, tournent... vers la rue, juste avant après Daudet, là, ils tournent là. Ils prennent carrément les clés de la fontaine pour s'en aller sur Jean Jaurès. Bien, nous allons. Merci pour ce débat. Donc, la chanson de l'année, belle vitrine pour la ville de Nîmes, plus de 3 800 000 téléspectateurs. C'est le nombre, effectivement, de téléspectateurs ayant regardé sur le petit écran. Vendredi dernier, le show de la chanson de l'année retransmis sur TF1. C'est vrai que c'est une belle vitrine, mais moi j'ai quand même quelque chose à vous dire. Le résultat, c'est que tout simplement, l'artiste qui a gagné, c'est un produit de TF1. Donc nous sommes vraiment... Oui. Mais l'émission, c'est un produit de TF1. Oui, non, mais bien sûr, puisque c'est elle qui l'a produit. Mais je veux dire que tous les gens qui sont là, l'artiste, c'est un produit de TF1. Vainqueur de la scène, Kenji Girac pendant 2 ans, paf, il est déclaré vainqueur. C'est un petit peu dommage, me semble-t-il. Alors sommes-nous des moutons, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais enfin, il y a 64% de personnes qui n'ont pas regardé. Autre chose. Alors, j'ai reçu un mail de la part de Bilange Olivier, qui est éducateur et qui s'occupe de personnes handicapées en mobilité réduite. Et il est dans le socio-médical de la Margerie du centre hospitalier de Nîmes. Donc il a voulu amener des handicapés et on ne lui a pas donné la possibilité de rentrer. Alors, il a appelé Franck Rousse qui lui a dit ça ne le regardait pas. Il a appelé le cabinet du maire qui a dit ça ne me regarde pas. Personne n'a voulu prendre la position de les laisser rentrer. Certains, pas tous, hein, mais donc ça a été bloqué. Donc là, je pense que la municipalité pourrait faire un effort, à la limite, mettre un responsable. Et
Benjamin nous en parlera dans une émission qu'il a créée, qui sera diffusée dans quelques temps sur le handicap, et notamment avec une ministre qui est venue ici. Donc, alors, quel est votre point de vue, David? Patrick, moi, je dis peut-être que les arènes pour ce spectacle étaient privatisées par TF1. Par contre, c'était à la mairie de Nîmes, avec notamment, il était prévu un contrôle technique avant chaque spectacle. Il y a une commission technique, et c'était à cette commission technique d'imposer une zone qui était pour les handicapés. Oui, ça n'a pas été fait. Voilà ce qu'il me dit. Impossible d'accéder à la plateforme pour les handicapés, on leur proposait une place en haut. Quand même être... Bravo la ville, me dit-il, pour vendredi. J'ai contacté M. Roland, adjoint au handicap, qui n'a rien fait. J'ai contacté M. Marzeau, conseiller de M. Jean-Paul Fournier, qui n'a rien fait. Mme Dumas, qui n'a rien fait. M. Burgoa, qui n'a rien fait. Et également un coup de téléphone à M. Proust. Et cela a dit, il a dit, cela ne me regarde pas. Non, ce n'est pas comique, évidemment, me parle-t-il. Vous, le clown. Oui, on en reparlera. On en reparlera. Oui, parce que de toute manière, dans les normes techniques, c'est une salle de spectacle. Dans toute salle de spectacle, il y a une commission technique qui permet d'accueillir les handicapés. C'est évident, on les accueille bien. Ça doit être un paramètre du cahier des charges. Mais bien sûr, c'est dans le cahier des charges. Peut-être qu'il y était, mais qu'il n'y avait pas cette place. Alors bon, mais là, c'était privatisé. Bon, ça, c'est un élément. Oui, mais enfin, quand on est privatisé, on ne doit pas laisser l'accès aux handicapés. Mais si, mais c'est pas ça, je veux dire. Je sais bien que c'est pas ça. Moi, ce qui m'énerve, moi, c'est cette. Bon, je vais encore pas être gentil, je vais dire plus belle chanson là. Bon, c'était on a une culture TF1 à Nîmes maintenant. Déjà, ouais. On n'avait pas de politique culturelle, maintenant on a une politique culturelle TF1. Bon, attends, laisse-le finir. Quand on entend Maître Jim là, qui a fringué comme un clochard, qui massacre Bella Ciao, mais ça me fout les boules, moi. Ça, c'est vrai que ça a été contesté. Mais je vous annonce une chose. C'est que le bal du 14 juillet sur TF1 a été enregistré hier soir. Oui, bah oui, j'y étais, toi. J'y étais, j'ai vu un peu comment se fonctionnait une émission. Donc il y a eu un certain nombre de prises. C'est vrai qu'il y a une ambiance qui est quand même sympa parce que les gens aiment ça. Maintenant, ils ont récupéré pas mal de chanteurs en différé du vendredi soir. C'était pas des chanteurs de la même génération que le week-end si, dernier. Il y avait Kenji Chirac, Oui, vas-y, Dédé. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, ce sont tous des chanteurs, aussi bien à chanson de l'année que là, qui ont des contrats avec TF1. Ouais. Voilà. Donc, il faut bien qu'ils rendent. Ce que TF1 leur a donné comme argent, je pense, donc ils viennent dans ces soirées-là. Et puis il y a aussi la production de Pascal Nègre, il y a Pascal Nègre, tout ça, c'est tout le même business. Ils ont amorti la location des arènes, parce que je ne sais pas quel prix ça a dû leur coûter. Je ne sais pas, mais il y a un contrat. Bon, là, nous, c'est une autre génération, on va demander à Charlie, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Moi, déjà, je ne regarde pas trop la télé. C'est pas le genre d'événement qui m'intéresse. Par contre, effectivement, qu'on rende pas ces locaux accessibles aux handicapés, je trouve ça un peu hallucinant. Ouais, moi, quand j'ai ouvert mon magasin, la première chose qu'on m'a demandé de faire, c'est une demande d'accès handicapé. Et je trouve ça normal. Enfin, je sais pas, c'est normal quand même d'ouvrir un lieu à toutes les personnes qui veulent y accéder. Est-ce qu'il n'y a pas des... Il y a des places gratuites, sûrement par la mairie là. Il y a une plateforme. Il y a une plateforme. Mais là, c'est pas la mairie. Des places. Mais là, c'est gratuit. Là, c'était tout gratuit. Ce que ce monsieur aurait dû faire, c'est demander au préalable des entrées à la mairie et les réserver. Mais je n'ai pas amené la photo, mais c'est ce qui a été fait. Ça a été fait, j'ai la photo encore. La seule chose, c'est qu'il leur faut des moyens pour ceux. Il faut la plateforme, parce que s'ils arrivent à se louer, on leur a proposé l'amphithéâtre. Il ne faut pas exagérer quand même. Ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc voilà, Olivier Villange, moi j'en ai parlé, je t'avais dit que j'en parlerai et j'en ai parlé ce matin. Oui, qu'est-ce que tu voulais nous dire? On pourrait parler du problème de l'accessibilité avec M. Laurent, que je connais, M. Roland plutôt, qui est un juge d'ailleurs, qui est un gars qui est très ouvert et je pense qu'on peut en reparler avec lui en l'invitant. Bon, vous savez qu'il ne reste plus que deux émissions faire, mais en septembre, nous reprenons nos émissions. C'est pas laissé qu'il arrive d'avoir les deux versions aussi. C'est bien d'avoir les deux versions. Donc là, j'ai vu les places puisqu'il me les a photographiées. Bon. Tu notes la chanson de Roland. Voilà, bravo. Elle est très bonne. Par contre, ça nécessite quand même, Patrick, il va y avoir plein de spectacles cet été dans les arènes au mois de juillet.
Ça veut dire quand même qu'il faut être vigilant par rapport à nos amis handicapés pour qu'ils ne revivent pas ce qu'ils ont vécu potentiellement sur le spectacle. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que le spectacle était gratuit? Alors, les organisateurs font-ils un effort supplémentaire quand le spectacle est payant avec des plateformes pour accueillir ces handicapés? Nous, on se défendra pour ce. Il ne doit pas y avoir d'histoire de prix. C'est impossible de faire un truc conditionnel à l'aspect prix. Donc, toi, Charlie, tu n'es pas trop branché télévision et tout ce qui est variété et spectacle? Non, c'est vrai que je regarde pas trop ça. Peut-être parce que je trouve que ça manque souvent d'authenticité. Mais après, je veux dire, je voudrais pas m'avancer sur le sujet. J'ai pas vu l'émission, donc peut-être que c'était quelque chose de très bien et que c'était sympa à vivre de l'intérieur. Après, voilà, c'est quelque chose qui se passe à Nîmes. Si ça a mis en avant la ville de Nîmes et peut-être des artistes qui sont c'est de une Nîmes belle aussi, vitrine pour Nîmes quand même. Pourquoi c'est pas bonne communication. C'est une bonne communication, oui, Philippe. Oui, c'est une bonne communication. Les jeudis, les grands jeux romains, c'est une grande communication. Tout ce qui va se passer dans les arènes tout l'été, c'est une grande communication. C'est de la culture à deux balles. Voilà. Et les jeudis de Nîmes, alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il n'y a pas de politique culturelle cet été à Nîmes. C'est ça que je constate. Bon, les jeudis de Nîmes, c'est un peu différent parce que parce qu'il y a quand même les Nîmois sortent, parce que c'est l'été, parce que tu as envie d'aller faire un tour, tu as envie d'aller écouter, tu as envie. Enfin, moi, j'y vais. Plus, hein, je le dis tout de suite, mais peu importe. Mais il y a des artistes qui peuvent s'exprimer, ça c'est important également. Il y a des artistes qui s'expriment. Oui, des musiciens, des chanteurs. Au départ, les jeux de Nîmes, c'était plutôt commercial, au niveau des artisans qui venaient s'installer sur les places. Il y en a de moins en moins, je trouve. Ben, on les emmerde, ils ne peuvent pas accéder. Par contre, c'est devenu un peu comme à la feria, c'est-à-dire que c'est la journée qui va bien marcher pour les... Pour les commerçants, mais oui. Les bars, comme la feria. Création des Jeux de Nîmes en 1994 par Franck Proust, qui était président de l'Office du tourisme et adjoint également au maire. Ensuite, la municipalité de Bosc, en 1995, a repris le contenu parce que c'était quand même... Et puis il y a des touristes, donc ils sortent le soir. Exactement. Aussi. Non, et ça, des artisans, des commerçants, on en parle. Non, mais je dis rien, moi, contre les Jeux de Nîmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec la position que Philippe Roita a dit, c'est la culture à deux balles. C'est pas de la culture à deux balles. Je ne parle pas des Jeux de Nîmes. Non, mais je te parle du festival du mois de juillet, qui traite ça de culture à deux balles. Il y a peu de villes qui ont ça. Mais c'est quand même, il y a quand même des têtes d'affiche, des personnes qui viennent là. Alors toi, c'est vrai que si... Non, mais on a si dit Annie, il y a les si arènes. Si Annie Cordy, c'est ta culture à 100 euros, il y a des têtes d'affiche qui vont venir au festival qui ne sont pas à deux balles. Ah mais d'accord, mais on bénéficie des arènes. Tout le monde veut venir dans les arènes de Nîmes. C'est l'été, il y a 12 000 places, il fait beau. Et ben donc, il faut pas critiquer le fait. Oui, mais il faut qu'on fasse aussi autre chose à côté. On ne fait pas. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Qu'est-ce que tu ferais, toi, par exemple? À l'époque, il y avait un festival du jazz quand il y avait l'époque du communisme. Il n'y a pas des communistes, celui qui n'a pas que les communistes, et puis j'étais pas communiste à l'époque. Tu commences à m'emmerder à dire ça. J'étais pas communiste, et de toute manière, celui qui. Oui, mais celui, c'était un truc qui marchait énormément bien et qui était de haut niveau qui a été naturellement supprimé par le maire, par Bousquet quand il est arrivé. Parce que tout ce qui vient avant... C'était très bobo de gauche. Très bobo de gauche, mais qu'est-ce que tu proposerais maintenant? Mais moi, je vais... La politique culturelle, on va en parler quand on sera au moment des municipales, la politique culturelle. Moi, je dis, on n'a pas la politique culturelle d'une ville de 150 000 habitants à Nîmes. Voilà, c'est tout. Moi, je ferais un beach volé féminin, moi, par exemple, ça serait bien. Du sable, hein, dans les arènes, un beach volé, un beach soccer, je sais pas, ça serait envisagé. Bien. Ah, ben ça fait du bien, c'est une émission qui est animée. Hein. Bon, alors je vous rappelle. On est à Nîmes. Oui, que les jeudis de Nîmes débutent le 5 juillet et se termineront le 30 août. Ouais, combien de spectacles ça doit représenter? Je crois qu'il y a 20 soirées. Oui. Pleines. Moi, je trouve que c'est des arènes pleines. Des artistes également qui peuvent s'exprimer à l'extérieur des arènes. Des artistes régionaux, et ça c'est important. Et puis également des étaliers, des gens qui viennent vendre. C'est vrai que j'avais 14 ans, il y avait le championnat du monde des culturistes dans les arènes de Nîmes. C'était à une époque. On a eu du tennis également. On a eu du tennis également dans les arènes. C'était avec Jean Bousquet. Je ne savais pas voir avec qui c'était. C'était le trophée Philips, et il y a eu la Coupe Davis aussi qui est venue à plusieurs reprises. C'était de la culture à 2 euros, ça aussi. De la culture à 2 euros, mais tu caricatures. Tu as le droit de caricaturer. Mais c'est toi qui parles de culture à 2 euros. Moi, je suis désolé. À 2 balles. La culture à 2 euros. À 2 balles ou à 2 euros. Je te signale qu'il n'y a plus des balles, c'est des euros maintenant. Ça a changé depuis 2000.
Bon, mais alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, moi, j'aime bien quand vous êtes en train de vous tout dire. Mais ça y est, on a tout dit. L'essentiel, c'est qu'on en parle. Ah, exactement. C'est le but, on en parle de Nîmes. Donc ça, ça peut servir. Hein. Tout ce qui va s'y passer, ben, ça fait la pub pour Nîmes. Il faut rappeler que cette émission est la seule qui parle de Nîmes comme cela, avec un débat. Et Jean Bousquet, pendant sa campagne, il avait un très beau slogan qui était « J'aime Nîmes ». Oui, ça, je me souviens bien de ce slogan. Je relis un autre, c'est vivre Nîmes. Moi. Et je m'anime aussi, non ? Non, mais c'est pas grave. Allez, revois un petit peu le politique. Magnanime. Ouais. Que des Nîmois, Romain, c'est bien. Mais lequel magnanime ? Parce qu'il y en a deux. Alors lequel ? Voilà, voilà, lequel, voilà, c'est ça le problème. Bah, ils ont fait fort, là, tous les deux. Politiquement, on sait pas. Politiquement, il y en a un qui est à droite et un à gauche. Avant la fin, je dirais aimez-vous les uns les autres. Oui, mais ça, tu le dis habituellement. Bon, revoici Christophe Cavard, l'ex-socialiste. Le revoilà chez Europe Écologie Les Verts, aux dernières législatives battues. Vous vous en souvenez. Un avant-goût pour les municipales. Alors, parle-nous-en un petit peu, parce qu'on se rend compte que Cavard souhaite réunir pas mal de monde, notamment Bérangère Noguier, conseillère départementale. Lili Lydie Défaut, du Raux, conseillère municipale du ZES. Donc, il souhaite faire un appel du pied, un petit peu, à tous les partis politiques pour qu'enfin ils puissent se réunir. Les partis politiques, qu'est-ce qui reste comme parti politique à gauche? Le PC n'existe plus, le PS n'existe plus. On ne va pas redire ce qu'on a dit la dernière fois. Cavard, il est intéressé par la mairie d'Uzès, mais à mon avis, il ne sera jamais maire d'Uzès, parce que le maire d'Uzès, d'abord, a une présence, a un enracinement à Uzès tout à fait important, et il veut repartir. Donc le seul à Uzès qui pourrait faire alliance avec le maire actuel pour le remplacer peut-être en cours de mandat, c'est Verdier. C'est Verdier, voilà. Bon. On en a parlé la semaine dernière. Et donc Uzès, c'est quasiment réglé. Bon, par contre, j'ai pu lire un reportage sur Objectif Gare. Hein. En Marche n'a pas vocation à avoir de candidats partout. Ils ne veulent pas s'allier ni à, donc convaincre, mais aussi s'implanter. Donc ils ne veulent pas obligatoirement. Il peut y avoir, on lui a posé la question s'il pouvait y avoir un partenariat avec Fournier et Lachaud. Pour le moment, tout est vague. Je vous rappelle que nous avons invité ici dans l'émission les responsables de la République En Marche qui ne sont pas toujours venus. Hein. Non, mais eu avant. Petit commentaire par rapport, vous parlez des écolos. L'actualité a montré la semaine dernière au Conseil départemental qu'il y a eu des échanges, qu'il y a eu des échanges très, très, très violents et que il y en a un qui revient, qui est un peu dans le jeu et qui a mis un peu, qui joue, qui commence à faire l'arbitre. C'est Gaillard. Gaillard qui a remis en place la, comment ça s'appelle, Bérangère et Noguier. Oui. Et dans l'histoire, il y en a un qui se met bien aussi avec Gaillard, c'est Denis Bouad. On en parle à la dernière émission, qui commence à avoir une stratégie de positionnement. Alors, je ne sais pas où, est-ce que ça va être Nîmes, est-ce que c'est. Voilà, le Olivier Gaillard est parti très clairement. Un peu comme étant le VRP de Denis Bouad. Et on voit aussi, mais par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire le dernier comité départemental, on voit bien que la majorité au conseil départemental, elle est en train de bouger. Elle est très fragile. Elle est très fragile. Des gars comme Thierry Procida, le centre par exemple, il ne serait pas loin de ce. Parce que de toute manière, il n'y aura pas d'alliance avec l'UMP. Hein. Au niveau des municipales et En Marche, il n'y aura personne de l'UMP En Marche. Ils sont pas macro-compatibles, ça c'est clair. Les seuls qui peuvent être, qui peuvent avoir l'investiture En Marche, c'est de mon point de vue, mais comme je l'ai déjà dit l'année dernière, c'est Lachaud d'un côté, et c'est naturellement Denis Bouad si véritablement il veut y aller. Lequel des deux aura l'investiture? Bon, moi je pense que c'est celui qui aura l'investiture d'En Marche qui sera maire de Nîmes. Mais si c'est effectivement Bouad, Lachaud est hors jeu, hein. Faut le savoir. Et voilà, on est dans un. Moi, j'aimerais quand même que le maire de Nîmes soit un Nîmois, quoi, c'est tout. Ah, bah oui, oui. Je préférerais. Oui. Tu utilises qui, là? Un Bouad. Oui, je sais bien. Il faut lui faire dire. Non, puis je suis aussi un peu d'accord, parce que je pense qu'aujourd'hui. Non, c'est les parachutages. Lachaud, il a la maîtrise des dossiers, quand même. On peut lui reprocher plein de choses, mais sans remettre en cause les compétences de Denis Bouad, mais qui est un très bon président de conseil des départements. Sachez quand même qu'ils ont affirmé, ils ont mentionné ceci, au municipal de Nîmes, le parti présidentiel sera bien présent. Que ce soit avec Jean-Paul Fournier ou son rival Yvan Lachaud, quoi qu'il en soit. Les responsables des Républicains En Marche l'ont bien précisé. Il soutiendra peut-être celui qui pense le mieux
le meilleur au niveau. Mais penses-tu qu'un homme comme Jean-Paul Fournier pourrait faire alliance avec... Pour ma part, non. Voilà. Déjà, attendons aussi le résultat des européennes pour voir quel est le vrai poids aujourd'hui dans Marche. Tu as tout à fait raison. Parce que En Marche était bien parti en marche. Maintenant, est-ce qu'ils sont en train de courir? Ils sont en sommeil. Ils disent qu'ils sont en sommeil. Parce qu'il commence à y avoir, pardon, excuse-moi, oui. Il commence à y avoir un petit peu de l'eau dans le gaz, et bon, il faudra voir comment ça se passe. Tu voulais nous parler des municipales, Philippe? Non, mais les municipales, on vient d'en parler, des municipales. Ça va aller, maintenant crescendo, mais ça va être extrêmement compliqué, parce qu'il y a des alliances qui bougent, qui changent. Et on ne sait pas comment ça va tourner. Mais ce n'est pas qu'anime. Concernant les européennes qui auront lieu un an avant les municipales, effectivement, c'est la raison pour laquelle Europe Écologie Les Verts essaie de sensibiliser toutes les forces de gauche afin de pouvoir, que ce soit pour les européennes ou pour les municipales. Parce que très clairement, tu as pu voir sur Midi Libre que Cavard serait beaucoup plus sur une orientation européenne. Tu as l'air de dire toi, tu ne nous embêtes pas pour les municipales. Est-ce qu'il y aura beaucoup de participants aux élections européennes, d'une part, et donc est-ce que ça sera représentatif de l'opinion générale de la France, quoi? On mesurera le poids d'En Marche, et on mesurera aussi, parce que ça c'est intéressant de le voir, le vrai poids actuel du Front National, qui pense... Il sera haut, parce qu'il est, il était haut, là. Premier sondage, il était à 19. Là. Oui, mais les Républicains... non, c'est En Marche qui était devant, le Front National et les Républicains derrière. Non, mais après, la crise, elle traverse tous les partis. Ça va peut-être vous faire rire. Je lisais un article, là, cette semaine, sur le futur congrès du PC. Bon, est-ce qu'il en reste? C'est-à-dire, ils ne sont pas nombreux. Ils sont coupés en trois. C'est-à-dire que y en a un tiers qui veut aller... qui privilégierait une alliance avec les socialistes, l'autre tiers qui privilégierait une alliance avec Mélenchon, et un autre tiers qui veut être tout seul. Le congrès, c'est trois cabines téléphoniques, non? Oui, à peu près, bon, mais... non, mais je veux dire que c'est quand même... Il y a quand même, dans ce courant d'idées qui était assez homogène, il y a aujourd'hui trois tendances. Plus personne ne sait où il habite aujourd'hui. Les angles, ça existe encore? La fête de Les Angles? Je ne sais pas, oui, normalement, oui, j'ai vu ça dans Midi Libre, oui. Mais... Oui, bien. Avant de conclure l'émission, je voulais que tu nous parles du musée de la Romanité, non pas dans sa globalité, mais puisque tu es allé déjeuner au restaurant. Oui, alors qu'est-ce que tu as pensé? Je n'ai pas simplement été déjeuner, j'ai visité tout le musée. Je pense que c'est une très belle réalisation, que la muséographie est de très haut niveau, c'est très bien présenté, avec des moyens audiovisuels. Le jardin est splendide aussi, il n'est pas encore terminé. La boutique n'est pas extraordinaire. Hein. La boutique, elle me rappelle un peu toutes les boutiques de souvenirs qu'on a quand on va se balader n'importe où. Bon, la boutique, elle n'est pas géniale. On aurait pu faire mieux. Alors, la terrasse du haut, elle est grande, la terrasse, mais on n'a pas une vue extraordinaire parce qu'on n'est pas très haut, finalement. Hein. On est plus bas que les arènes. On voit les toits de l'arrière de la ville. Là, bon, ça n'a pas un intérêt majeur. Alors, le restaurant, évidemment, le restaurant, il est bien. Moi, j'ai déjeuné. Je dirais simplement qu'il y a un menu à 19,80 €, dont on fait de la publicité, avec un chef 2 étoiles. Le menu à 19,80 €, c'est celui que j'ai pris, c'est pas extraordinaire, c'est-à-dire on se demande où les 2 étoiles sont passées en termes de créativité. Donc il faut taper plus cher pour essayer de manger correctement. Bon, c'est tout, mais c'était bien quand même, hein. On est bien assis, on est sur les arènes, c'est assez remarquable. Après, le deuxième défaut qu'il y a, mais ça... c'est toujours après qu'on voit les défauts, c'est pas une critique. Il y a un café en bas au rez-de-chaussée, avec des tables et des chaises sur le trottoir. Bon, c'est un café où on peut boire un pot de café. Le problème, c'est que en haut, contrairement par exemple à Carré d'Art, en haut, au restaurant, on ne peut pas boire un pot entre les repas. On ne peut pas aller boire une bière, on ne peut pas boire un café. Alors c'est un peu dommage, parce que là-haut, on est au calme, on est bien assis, Bon. C'est ce constat-là que je voulais dire, que je voulais donner. Mais c'est quand même une réussite, ce musée de la Romanité, c'est clair. Hein, tu as souvent parlé d'une façon tout à fait positive. Je suis très content de l'avoir vu et de confirmer que c'est une grande réussite. Moi, je voulais vous rappeler encore une fois quand même qu'à Quatropique, la piscine municipale, la piscine est toujours... Ils sont toujours en grève. Ils sont toujours en grève parce que manque de sécurité, manque de moyens. Donc on peut en parler rapidement si vous le souhaitez, mais c'est quand même, nous irons faire une interview d'un des responsables de syndicaux qui se trouve à Aquatropique. Donc ça fallait le préciser, parce que ça fait quand même 5-6 mois qu'ils sont en grève.
Et là, ils vont être en grève encore pendant toute la période estivale. Donc, c'est quand même un petit peu regrettable pour ceux qui ne peuvent pas aller au bord de la mer. Voilà. Je suis d'accord, mais c'est un équipement vieillot. Qui n'a pas été entretenu. Moi, je me rappelle, quand j'étais à la direction de la Mérinie, il y avait des staphylocoques dorés en été. Ça a été une panique invraisemblable. Bon, et c'est pas bien entretenu. Une piscine, ça va être entretenu, voilà, c'est tout. Bon, c'est 2 ans avant les prochaines échéances municipales, l'association pour un grand Nîmes, que tu dois connaître. Je connais. Tu connais, toi, hein, qui soutient de manière inconditionnelle l'action du maire Jean-Paul Fournier depuis 2001, fait son retour. Co-présidé par René Succo, qu'on connaît bien, qui a été adjoint il y a quelques années, et l'adjointe Marc Toller, qui elle organise une fête annuelle. Il y a deux présidents, c'est la première fois. Le jeudi 21 à partir de 17h. Voilà, tout simplement, puisqu'on a parlé de la gauche, on peut parler de la droite, on est là pour parler de tout. Le grand Nîmes, c'est Nîmes Métropole? Non. Non, c'est une association. C'était une blague. On n'avait pas bien saisi. On n'avait pas bien saisi. En tout cas, merci, messieurs. Merci à l'Estanco de nous recevoir. Merci à toi aussi, Charlie. On te souhaite vraiment une bonne route pour ton travail. Tu es un jeune artisan et nous souhaitons parler des artisans et des commerces animaux. Et de qualité. Et on peut dire que voilà, il nous a apporté des petits chocolats. Oui. Ben, merci beaucoup. Et vraiment, c'est très très bon. Il fait un peu chaud maintenant. Hein. Il fait un peu chaud, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Ah, écoute. Une ambiance un peu tonton flingueur, mais, ouais, mais c'est, assez voilà, elle est vivante et il n'y a pas de langue de bois. Certains diront le meuble petit. Merci, Philippe. Le brognard. Oui, vas-y. On n'a pas parlé là, parce que je devais en parler avec Guy et Pierre-Marie Chaz. Il y a des problèmes d'assainissement dans les communautés de services. C'est-à-dire, il n'y a pas d'assainissement collectif. Alors, Nîmes Métropole a fait un boulot, mais maintenant, à chaque fois, ça coûte à chaque propriétaire entre 10 000 et 20 000 euros. C'est eux qui doivent faire les travaux. Ouais, c'est ça, pour relier le tout à l'égout par rapport au. Et donc, je voulais faire une boutade à Guy. Le président, non mais c'est Jean Guillou, c'est-à-dire mieux vaut, comme disait Alphonse Allais, mieux vaut une vraie croyante qu'une fausse sceptique. Oh, bien, alors encore merci à vous deux, à toi Charlie. Charlie, la tapisserie, rue des Marchands, à Nîmes, en face de la cathédrale. Pour le prouver, c'est très simple, Philippe Roata, vous tapez Philippe Roata sur Facebook. Pour trouver ton adresse, c'était pour. Mais ah, je rigole! Charlie, la chocolaterie. Toi, mon cher Dédé, il faut te trouver, c'est sur les pistes de danse. Tu seras bientôt au. Alors, non, je n'y serai pas. Je ne serai pas, mais c'est prévenu pour les prochains. D'accord. Parce que je pars une semaine à Ibiza. C'est ça les retraités. Alors je vous rappelle qu'il nous reste encore 2 émissions à réaliser, une mardi prochaine et une mardi d'après. Et ensuite, nous nous prenons un petit peu en vacances. On pourra te laisser le mot de la fin, Pierre. Vacances, il y a ceux qui sont en vacances ou en retraite, et ceux qui continueront à travailler, justement continuer à faire avancer la France. Ils ne sont pas en retraite. Ils sont en retrait. Nous sommes des retraités actifs. Ils sont en retrait. Et la formule, pardon, oui. Je l'ai utilisée tout à l'heure, c'est toujours, encore une fois, aimez-vous les uns les autres. Ah, oui. Et en mai 68, on disait, il y avait une... Aimez-vous les uns sur les autres. Il n'avait pas tort. Merci, mon cher Benjamin Baron. Je sais que tu seras encore avec nous l'année prochaine, puisque nous reprendrons nos émissions au mois de septembre. Merci Benjamin, il nous fera quelques... Il a signé au Mercato. Il a signé au Mercato, ça y est. Il a signé deux ans. On est monté en Ligue 1, il paraît. Donc avec des moyens totalement différents, vous verrez à la rentrée. Merci à toutes, merci à tous. Merci d'être fidèles encore une nouvelle fois à notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Bye bye.